Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Eh bien oui, bonjour à tous, bonjour Renaud. En effet, la messe chrismale du diocèse de C vient tout juste de commencer. La longue procession des prêtres du diocèse, se terminant bien sûr par l'évêque du diocèse, Monseigneur Habert, se met en route vers le chœur en remontant tout au long de cette nef où de nombreux diocésains ont bien sûr pris place. Une messe chrismale qui est un rendez-vous important dans l'année pour le diocèse. Tout d'abord pour les prêtres du diocèse qui vont renouveler leur promesse sacerdotale et qui se retrouvent réunis autour de leur évêque. Et puis aussi pour la consécration du Saint-Crème, la bénédiction des huiles saintes que nous aurons tout à l'heure. La procession arrive dans le chœur. Bien sûr, vous suivez en direct sur les ondes de RCF 61, mais si vous avez internet, vous pouvez suivre les images sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr ou encore sur directcatholique en un seul mot.fr. Assemblée des saints.
La procession se termine presque. Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C, vient d'arriver au pied de l'autel dans la cathédrale de C, donc une messe chrismale qui commence et que vous suivez en direct sur les ondes de RCF 61 et en vidéo direct sur Internet. Monseigneur Jacques Habert se prépare à encenser l'autel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, cette messe chrismale qui nous rassemble ce soir est une grande fête dans l'Église diocésaine, et en particulier pour nous la fête du sacerdoce. Sacerdoce du Christ qui s'est offert en sacrifice sur l'autel de la croix, et qui en a institué le mémorial à la Seine, sacerdoce aussi des ministres auxquels il a confié la mission d'annoncer l'Évangile et de conduire son peuple et de célébrer les sacrements. Sacerdoce enfin de tout le peuple saint, le peuple chrétien, chargé de témoigner, célébrer et servir Jésus pour que grandisse le royaume de Dieu. En ce jour particulier, nous sommes heureux de prier spécialement pour les prêtres qui célèbrent le jubilé de leur ordination. Les pères Guy Hubert, Maurice Leroux, Denis-Marie, Yves Petit, André Postel, André Soutif, les 50 ans d'ordination. Les pères Pierre Constantin, Claude Martin, Robert Meunier, Marcel Bréard, pour leurs 60 ans d'ordination. Les pères Gaston Chenet, Joseph Courteil, André Cousin, Henri Dupuis, Albert Auville, Paul Keinec, pour leurs 65 ans d'ordination, les pères Jacques Lamache, Henri Potin, 70 ans d'ordination, et enfin le père Robert Loignon, qui fête en cette année le 75e anniversaire de son ordination. Nous avons aussi la joie d'accueillir les catéchumènes, 17 dans notre diocèse, 3000 dans tout notre pays, qui se préparent à recevoir les sacrements de la vie chrétienne, ainsi que des jeunes et des adultes qui se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation. Enfin, ce soir, nous sommes en communion avec les auditeurs de la radio diocésaine RCF 61 et également en direct sur Internet grâce à la Web TV diocésaine. Frères et sœurs, tous ensemble, nous nous préparons à célébrer le Christ qui est la source des sacrements en reconnaissant humblement que nous avons besoin de son pardon, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Jésus, Maître et Seigneur, mort humilié par amour pour les pécheurs. Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'a établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est maintenant Laurent Gatineau, séminariste du diocèse de C, qui va assurer la première lecture, extrait du livre d'Isaïe au chapitre 61. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Et vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur. On vous nommera les serviteurs de notre Dieu. Je vous donnerai fidèlement la récompense et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Parole du Seigneur. Le psaume 88 maintenant, avec pour refrain « Dieu fidèle à tes promesses ». Béni soit ton nom.
bâtie pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Autrefois, tu as parlé à tes amis, dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé la vie de mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage, mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. La seconde lecture maintenant du livre de l'Apocalypse, lu par un membre du catéchuménat. Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Et l'évangile va maintenant être proclamé par un diacre du diocèse de C. Ce devrait être Jean-François Poutas. Suivra ensuite l'homélie de Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Une homélie que vous allez donc suivre en direct sur les ondes de RCF 61. Et pour ceux qui ont internet, vous pourrez avoir les images en direct en allant sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, et également sur www.directcatholique.fr. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit de Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici maintenant l'homélie de Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Frères et sœurs, la messe chrismale est un grand rendez-vous diocésain qui chaque année nous réjouit et nous rassemble nombreux dans notre cathédrale. Et pour reprendre une des grandes intuitions du Concile Vatican II, dont nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'ouverture, nous sommes vraiment ce soir le peuple de Dieu, réunis autour de son Seigneur dans toute sa diversité et dans toute sa beauté. Baptisés, confirmés, diacres, prêtres, évêques, religieux, religieuses, consacrés, chacun de nous est présent ce soir et constitue un membre de ce corps qu'est notre Église diocésaine. En cette fête de la messe chrismale, ce sont bien sûr les prêtres qui sont tout spécialement à l'honneur puisque tout à l'heure ils vont renouveler leur engagement et nous prierons pour eux. La bénédiction des huiles également nous rappellera la place centrale des sacrements dans notre vie chrétienne. Cette messe, nous savons, nous ne pouvons la comprendre que dans le dynamisme même de la Semaine Sainte. Nous y sommes rentrés avant-hier dimanche avec la célébration des rameaux et elle trouvera toute sa plénitude jeudi, vendredi et samedi soir avec la célébration du Triduum Pascal. Ainsi, nous n'oublions pas non plus aujourd'hui de prier pour nos amis catéchumènes, 17 dans notre diocèse, qui recevront le sacrement du baptême. Et tout au long de cette Semaine Sainte, nous allons essayer de suivre Jésus de plus près. Chacune des célébrations va nous y aider et nous passerons par des sentiments successifs le jeudi, le vendredi et le dimanche de Pâques. Nous allons donc vivre intensément cette Semaine Sainte sans pour autant oublier tous les événements qui continuent de nous atteindre et parfois de nous affecter, que ce soit sur le plan de la vie sociale, les futures élections, les événements d'une violence extrême dans notre pays ces dernières semaines et dans le monde d'une façon générale, les incidences toujours douloureuses de la crise financière, ces incidences parfois cachées, mais dans les visites pastorales que j'effectue, je découvre une certaine réalité vécue courageusement par beaucoup d'entre nous. Il y a également les événements de la vie ecclésiale qui nous marquent, la grande démarche de Diaconia 2013, les visites pastorales qui continuent de s'effectuer, et pour ma part, je rentre juste de la conférence épiscopale à Lourdes, laquelle faisait suite au très beau rassemblement des diocèses de France à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Tous ces événements donc, sociaux, ecclésiaux, se croisant également avec le cours ordinaire des événements de nos vies familiales, professionnelles ou associatives. Frères et sœurs, c'est bien toute cette vie que nous ne cessons de confier au Seigneur, c'est bien toute cette vie, avec ses enthousiasmes et ses douleurs, que le Seigneur veut éclairer
par la lumière de sa parole, cette vie pour laquelle il nous donne tout spécialement le sacrement de l'Eucharistie, pour que nous la vivions en communion avec lui et entre nous. Alors ce soir, laissons-nous encore une fois guider par la parole de Dieu qui vient d'être proclamée dans notre cathédrale. Nous connaissons ce passage de l'Évangile selon saint Luc. Jésus entre dans cette synagogue de Nazareth et il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Cette parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile nous renvoie à l'actualité de notre Église en France, mais aussi de l'Église universelle. En effet, dans notre Église en France, nous sommes marqués depuis quelques mois par la grande démarche de Diaconia 2013. Et beaucoup de diocèses, dont le nôtre, se sont lancés dans cette aventure avec enthousiasme. Et pour l'Église universelle, il s'agit du futur synode qui aura lieu à Rome au mois d'octobre prochain, un synode voulu par notre pape sur la nouvelle évangélisation. Entre évêques, nous en avons beaucoup parlé à Lourdes la semaine dernière. Il arrive hélas que ces deux dimensions de la vie ecclésiale, celle de la diaconie, du service, et celle de l'évangélisation, soient parfois vécues en contradiction, voire même en opposition. Certains, insistant d'une façon unilatérale sur la proximité, l'accueil, le service du frère, et les appuis tirés du Concile Vatican II, ne manquent pas pour illustrer effectivement cette dimension de la vie chrétienne. Je pense notamment à la grande constitution Gaudium et Spes. Mais d'autres, au contraire, diraient la seule chose qui compte pour l'Église, eh bien, c'est qu'elle annonce l'Évangile, c'est qu'elle annonce la bonne nouvelle, et là aussi, les soutiens des textes du Concile seraient faciles à trouver. Pensons par exemple aux textes sur les prêtres ou sur les évêques qui mettent comme première responsabilité des uns et des autres l'annonce de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, vous voyez aisément vers quelle conclusion très simple je voudrais vous conduire ce soir. Il s'agit pour nous de mener ces deux aspects fondamentaux de la vie chrétienne, non pas dans l'opposition, mais vraiment dans la complémentarité. Et si nous reprenons l'Évangile de ce jour, nous voyons bien que Jésus, au seuil même de son ministère public, vit ces deux dimensions dans une parfaite harmonie. La parole de l'Évangile, en effet, que nous venons d'entendre, nous indique la forte proximité du Seigneur Jésus auprès des pauvres. Il est question des prisonniers, des aveugles, des opprimés. On pourrait ici actualiser et décrire les nouvelles formes de pauvreté dont souffrent beaucoup de nos contemporains. Elles sont nombreuses, elles sont diversifiées, et nous savons que toute la vie de Jésus se passera dans une très grande proximité envers toutes ces personnes en souffrance. Et en même temps, dans le même évangile, il est question pour Jésus de porter la bonne nouvelle aux pauvres, de leur annoncer une année de bienfaits. La vie de Jésus, nous le savons bien, sera une vie où l'enseignement, la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle sera absolument décisive. Alors comprenons ce soir combien l'Église ne peut avancer que si elle marche sur ses deux jambes, celle du service et celle de l'annonce. Tout service du frère est déjà en lui-même une annonce de la bonne nouvelle, et toute annonce de la bonne nouvelle est en même temps un service du frère, certainement le plus grand service que l'on puisse lui rendre. Alors, frères et sœurs, en ce temps où notre Église diocésaine réfléchit à son avenir, et les visites pastorales me l'indiquent abondamment, il est plus qu'urgent que nous nous recentrions sur l'essentiel, à savoir sur l'Évangile, sur ce double impératif à jamais inscrit dans la mission de l'Église, servir la fraternité, annoncer l'Évangile. Alors qu'au cours de cette messe chrismale, alors que dans un instant les prêtres vont renouveler leur engagement sacerdotaux, nous nous remettions devant les paroles mêmes de Jésus. Elles s'adressent ce soir à chacun d'entre nous personnellement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Prions, frères et sœurs, pour que cette parole de l'Écriture aujourd'hui encore s'accomplisse
dans notre Église diocésaine, que nous sachions l'entendre et la mettre en pratique, là où le Seigneur ne cesse de nous envoyer. C'était donc l'homélie de Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de Sée, à l'occasion de cette messe chrismale 2012 que vous suivez en direct depuis la cathédrale de Sée. Vous nous rejoignez en direct sur les ondes de RCF 61, mais également en vidéo direct sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, et sur directcatholique.fr. Monseigneur Jacques Habert vient se placer face au cœur pour s'adresser aux prêtres. C'est la rénovation des promesses sacerdotales. Frère très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant l'Église, renouveler les engagements que vous avez pris? Oui, je veux. Au jour de votre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements attaché à notre mission dans l'Église? Oui, je le veux. Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et par les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui, je le veux. Et vous, frères et sœurs, priez pour vos prêtres. Que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs, priez aussi pour les évêques. Que nous soyons nous-mêmes fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de son peuple la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs, que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. À présent, Mgr Habert
va descendre la nef de la cathédrale, accompagné par les prêtres jubilaires, le père Michel les curés Renaud. Des paroisses. Il va bénir les huiles qui serviront pour les célébrations sacramentelles. Rappelons-nous que depuis la première alliance, le signe de l'huile d'olivier apparaît comme un don précieux du Seigneur pour son peuple. Symbole de dignité, de prospérité, de paix, de force et d'endurance. En particulier, les prêtres, les prophètes et les rois étaient consacrés par l'onction d'huile. Aujourd'hui, elle est un signe privilégié dans la prière de l'Église et la célébration des sacrements. Alors, accueillons la bénédiction du Seigneur pour l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, enfin l'huile et le parfum du Saint-Crème. Voilà donc Monseigneur Jacques Appert qui a descendu toute la nef centrale de la cathédrale. Il est actuellement au fond de la cathédrale pour la première partie de la bénédiction des huiles. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Les anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondais à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et toutes nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique ou morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner la grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi l'intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Monseigneur Haber, qui s'était avancé ensuite au milieu de la nef auprès de l'huile des catéchumènes, il s'avance maintenant à nouveau devant l'autel où est disposée la dernière table, avec cette fois-ci le Saint-Crème qui va être consacré. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Souviens-toi, consécration du Saint-Crème. Monseigneur Haber vient de souffler dans le vase. Frère bien-aimé, prions Dieu le Père Tout-Puissant qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'ancienne alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachetait les hommes de son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit-Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après s'être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit. Et rendu semblable au Christ, il participe à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répands largement les dons de ton Esprit Saint sur nos frères, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les objets marqués de cette huile sainte, mais surtout par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous les êtres, avec le Christ et dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous qui avons reçu le baptême, la confirmation,
relevons nos fronts déjà marqués par le Saint-Crème et ce soir, rendons grâce à Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Père, gloire à toi dans les siècles. Que les prêtres maintenant présentent leurs mains consacrées et rendent grâce pour leur sacerdoce. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Gloire à toi dans les siècles. C'est maintenant le temps de l'offrande avec la chorale dirigée par Elisabeth Luthé avec Monsieur Robineau à l'orgue. Une chorale qui va interpréter « Ô bonnet Jésus ». Monseigneur Jacques Habert va maintenant encenser l'autel ici, donc pendant cette messe chrismale que vous suivez
en direct depuis la cathédrale de C, en direct bien sûr sur les ondes de RCF 61, mais aussi en vidéo direct sur le site internet du diocèse de C et sur directcatholique.fr. Nous allons maintenant marquer une petite coupure de quelques secondes afin d'affiner quelques paramètres. Je m'en excuse par avance auprès des auditeurs de RCF 61. Ça revient dans un instant.